Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur la méthode Meurice, je voudrais vous présenter les bases de données relationnelles et les requêtes. Partons, si vous le voulez bien, de la phrase « Quels sont les artistes du spectacle Hoax ?» Nous avons ici à l'intérieur de cette phrase toutes les informations nécessaires pour construire notre requête. Nous parlons d'artistes et de spectacle Hoax. Donc nous voulons une liste d'artistes. Donc nous avons forcément quelque part des noms d'artistes qui sont là. Je vais appeler ici F1. Voilà. Alors, les artistes. Nom. Artistes. Sélection de noms d'artistes. À partir de quoi? Eh bien, nous venons de voir F1 ici qui correspond aux artistes. Voilà, nous avons besoin de ça. Du spectacle ours. Voilà, donc, le fichier spectacle que je vais appeler ici F3. Voilà. F3. Donc, il s'appelle spectacle. Et au niveau du spectacle, nous voulons donc que le nom du spectacle corresponde à ours. D'accord. Eh bien, on peut déjà marquer ici F3, donc le nom du spectacle, petit point, nom, spectacle, est égal à ours, pour l'ours syllabe. Bien. À présent, il n'y a plus donc à matcher artiste avec spectacle, avec un autre fichier ici de type relationnel, à savoir des relations entre artiste et spectacle. Donc, nous allons utiliser F2 pour justement matcher artiste et spectacle qui s'appelle donc donné. Pour matcher donc les deux fichiers, nous pouvons dire que F2. Donc, le fichier données ID spectacle doit être égal à F3 ID spectacle. Nous avons donc ici matché données et spectacle. À présent, nous reprenons F2 avec l'identification artiste. Doit être égal à F1, identification artiste. Voilà, ici nous avons matché les deux fichiers données et spectacle, et là nous avons matché les deux fichiers artiste et données, qui va donc nous permettre, à partir de F3 nom ours, qui se trouve ici, donc S1, va donc nous donner la liste des différents S1 et en fonction de ces S1, trouver à partir de l'identifiant artiste le nom des artistes, du ou des artistes. Il se trouve que, comme vous pouvez le voir ici, nous avons des identifiants en redondance. C'est pourquoi nous utiliserons un select distinct. Bien. Reprenons brièvement pour voir la liste. Pour un spectacle ours, donc nous avons S1, je trouve ici. Nous avons matché les S1 avec données. Nous trouvons donc l'identifiant artiste 1,
qu'on retrouve ici, car il est matché avec données, qui correspond donc à Yann. Alors, en voilà un. Bien. Nous retrouvons un dessin ici avec A2, donc l'artiste 2, Hélène. Parfait. En S1, nous retrouvons ici, pour en date du 11, un A1 qui correspond à Yann, étant donné que nous avons un select distinct, nous le remarquerons pas une deuxième fois. Un S1 ici avec A2 qui correspond à Hélène. Nous l'avons déjà marqué ici, donc inutile de donner des informations redondantes. 50 Yannick, 50 Yann, 50 Papat. Un suffit. Bon, c'est une liste des artistes distinctes. Voilà donc comment résoudre donc une phrase comme ceci pour une recherche à l'intérieur de votre base de données relationnelle à l'aide donc d'un programme comme celui-ci de requête comme SQL avec select, distinct, from, where et encore par disons, plus en dessous order by où ici nous aurions eu Hélène avant Yann. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.